bienvenue dans un nouveau retour de course. Donc cette semaine, on a fait un peu comme la semaine dernière, on a décidé de faire nos courses chez Riverford Organic Farmers concernant les fruits et les légumes. Et par contre, la chose qu'on a changé cette semaine, c'est pour le reste des produits, on est allé chez Costco. Donc pour ceux qui connaissent Costco, en fait c'est un grand magasin, mais il est énorme, vous trouvez plusieurs produits dedans, ça peut être de l'IFI, des produits alimentaires, etc. Et même des habits, comme dit Sébastien derrière mon mari. Donc du coup, on a fait nos courses là-bas et franchement, c'est super parce qu'on se rend compte que pour des gros volumes, c'est vraiment super intéressant. Si vous êtes une grande famille, une famille nombreuse, ça peut être vraiment très cool d'aller faire ces courses là-bas. Voilà, on n'y va pas souvent, mais de temps en temps, c'est vrai qu'on aime bien aller jeter un petit coup d'œil. Et puis ça change aussi des produits d'un magasin à l'autre. Donc ça varie aussi les goûts. Voilà, tout simplement. Hein, oui, qu'est-ce que t'en penses? Oui, ça change, mais c'est vrai que c'est... on va dire que c'est plus, on va dire, ouvert à des familles nombreuses. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Oui, parce que c'est des gros volumes. Bon, après, on va le voir lors du retour de course. Bon, on trouve une plaque de beurre qui va servir à une famille, on va dire, normale. Hein. Voilà. Ça dépend comment vous faites vos courses, si vous préférez les faire au mois ou à la semaine, etc. Mais bon, en tout cas, moi, je trouve que c'est un magasin qui mérite d'être visité ou d'être fait de toute façon, de temps en temps, en tout cas. Donc, je vais commencer par les fruits et les légumes. Donc, cette semaine, c'était trop cool parce qu'ils nous ont livré donc nos boîtes de fruits et légumes bio. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ils variaient les légumes et les fruits. Et ça, c'est trop bien. Ça va permettre à nous aussi de changer un peu notre alimentation et de ne pas manger toujours la même chose. Donc, j'ai commencé par les légumes parce que c'est ce qu'il y a de plus de nouveau, en fait, cette semaine. Alors, on a eu un légume qu'on ne connaît pas beaucoup. Alors c'est celui-ci, il est emballé dans un sachet plastique, vous ne pouvez pas faire autrement, même si c'est un produit bio, parce que sincèrement, je pense que s'il ne l'avait pas mis dedans, il n'aurait pas gardé sa fraîcheur. Alors je vous montre ce que c'est, peut-être qu'il y en a qui vont reconnaître et d'autres pas. En tout cas, nous on a dû chercher pour savoir ce que c'est. Voilà, donc c'est ce légume, voilà, c'est pas une salade. Ça ressemble plus au chou, ça pourrait ressembler un peu au pak choy. Vous savez, le chou qu'on utilise pour faire les recettes chinoises. Moi, je connais pas. Donc, ça fait un faux semblant de chou, on va dire. En fait, c'est un faux semblant de chou. Et c'est un légume vert, tout simplement, qui se prépare soit sauté à la poêle, voilà. Soit bouilli, vous le faites sauter à la poêle, comme tu l'as dit, avec des lardons. Mmh. Soit on utilise des feuilles, on les fait blanchir, et après on les farcit, soit avec du riz, après un peu comme une forme de nem. Donc nous, on va faire une recette cette semaine avec ça, parce que je pense que ça vaut le coup d'être goûté, mais franchement, on ne connaissait pas. Et ça s'appelle, que je ne vous dise pas de bêtises, Spring Summer Green. Voilà. C'est ça. Donc, super. Ça, à tester pour nous cette semaine. Puis ensuite, on a reçu, donc toujours dans un sachet pour garder la fraîcheur. Vous savez, c'est des sachets un peu comme des sachets, ouf, je ne vais pas faire tomber, un peu de congélation, voilà. Et on a reçu ces petits, alors ça s'appelle des brocolini, regardez, il y en a certainement qui vont connaître, c'est violet, voilà. Donc c'est un légume bio celui-ci. Et ça, comment tu le prépares? Ah ben c'est très simple, là je garde tout simplement comme le brocoli, c'est-à-dire la tête, voilà, oui. Le violet. Oui. Et après, vous pouvez utiliser le vert pour faire de la soupe. D'accord. Voilà. Entendu. Donc ça, pareil, on va le manger certainement cette semaine. Ensuite, on a reçu des tomates, des petites tomates grappes. Voilà, elles se présentent comme ça. Donc ça, vous connaissez, tout le monde connaît des tomates. On a reçu, alors là, c'est pas dans un sachet, des brocolis. Regardez-moi ce brocoli, comment il est beau. J'ai deux têtes comme ça dans la boîte. Voilà, je vais le remettre dedans, que ce sera plus simple. On a également eu des carottes. Voilà. On peut voir justement sur les carottes, qu'on voit bien que c'est des produits organiques parce qu'on les voit pas, on le voit bien, ils ne sont pas réguliers. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est la particularité des produits organiques. De la patate douce, alors ça c'est super, moi j'adore la patate douce, je trouve que franchement à cuisiner c'est plutôt facile et franchement ça donne un petit goût sucré, donc on en a deux comme ça. On a également des oignons et puis je pense que le reste est dans un sachet, donc ça doit être des pommes de terre.
Je ne l'ai pas ouvert, mais c'est écrit dessus. Donc, c'est des pommes de terre. On va regarder quand même à quoi elles ressemblent. Regardez, vous voyez, c'est bien emballé quand même. Hein. Je trouve que franchement, voilà. Ça donne vraiment... Bah, il les met dans un sachet, on va dire, pour pas qu'elles prennent, on va dire, le jour, pour éviter qu'elles germent, tout simplement. D'accord. Ouais, c'est ça. C'est bien des pommes de terre. Alors, je vous montre. Il y en a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à peu près. Voilà. Des pommes de terre. Donc ça, c'est trop cool. Donc je remets tout dans la boîte et je passe ça à mon mari. Hop. Merci. Donc ça, c'est pour les légumes. Ensuite, on passe aux fruits. Donc comme la semaine dernière, on a une main de banane. Celle-ci, j'ai l'impression qu'il y en a plus cette semaine. Mais bon, c'est peut-être... C'était un peu plus gros la semaine dernière. Un tout petit peu plus. Ah oui, oui. D'accord. Ensuite, nous avons, comme la semaine dernière toujours, des kiwis. Dans une boîte comme ça. Voilà, il y en a 4 dedans. Alors, cette semaine, ce qui change, nous avons des clémentines. Je pense que j'en ai une dizaine. Hein. Voilà. Ils nous ont mis également des pommes. Alors, celle-ci, je pense que ce n'est pas des Royal Gala. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas des Royal Gala. Voilà. Et on a 2 pamplemousses. Et ça, c'est trop bien parce que ce n'est pas un fruit que j'ai l'habitude d'acheter. Je trouve ça trop bien qu'ils m'aient mis ça. Comme ça, ça va me permettre d'en manger, quoi. Ça varie. Même pour les enfants, c'est super. Pamplemousse. Puis, alors, ça, je pense que c'est des raisins, comme la semaine dernière, à mon avis. Ouais. Alors, là, c'est des raisins. Alors, c'est quoi, chérie? Toi, tu connais maintenant. Mais, on nous l'a dit, du coup. Oui, j'ai vérifié sur Internet. Donc, c'est une, on va dire, une abonnée qui nous a dit que c'était du raisin de Saint-Joseph. Voilà. Et effectivement, c'est bien du raisin de Saint-Joseph. Et ils sont excellents. Ah, ben, la semaine dernière, ils n'ont pas fait la journée entre Warren et Clément. Non, les enfants, ils ont adoré. Ils ont été curieux. Ils ont voulu savoir quel goût ça avait. Et du coup, on a tout mangé parce que c'était trop bon. Franchement, c'est super bon. Donc voilà pour les fruits et légumes bio. Donc ça, bien sûr, on les reçoit maintenant toutes les semaines. Et ça vient de la société Riverford Organic Farmers. Alors, est-ce que c'est un fermier ou est-ce que c'est un grossiste? C'est une bonne question. J'aimerais bien savoir. Il faudra que je vérifie, mais moi j'ai vu sur leur site Instagram. Je pense que sur le... Oui, c'est des fermiers. Ça veut dire qu'ils... Ce sont deux. Voilà, ils ont leur ferme et ils élèvent leurs poulets. Peut-être même parce qu'ils font aussi de la viande et des produits laitiers. Ouais, c'est possible, hein. Et après, bon, certainement que pour les jus de pommes et tout ce qui est, on va dire, après ils achètent, hein, ils sont sous-traitants. Peut-être. Hein. Mais je pense que tout ce qui est fruits et légumes, ils le font eux-mêmes. Bon, après, ils font de l'import, ce qui est normal. Hein, voilà. On peut pas tout faire en Angleterre. Ensuite, je continue avec, donc là, les produits que nous avons achetés chez Costco. Alors, nous avons acheté des petits filous comme ça. Un pack family, on a pris. Et franchement, ils n'étaient pas chers. Chérie, est-ce que tu peux nous dire combien ça a coûté? 2 pounds 19. Voilà, 2 pounds 19. Sachant qu'on les paye 3 euros chez Tesco ou chez Sainsbury. Voilà, donc 2 pounds 19. J'en ai pris 3, comme ça, du coup, je me suis dit, autant profiter. Et si je retourne la semaine prochaine, on verra. Ben, je reprendrai, sinon, ben, on verra. Voilà. J'ai pris également des Actimel. Alors, ça, en général, ça coûte un peu cher quand même. Oui, on dépasse les 3 pounds en Angleterre. Là, on est un tout petit peu en dessous. On doit être dans les 2 pounds 69. Bon, ça va. C'est cool. Puis, j'ai pris... Alors là, ça va... C'est pour vous montrer comme quoi les sachets sont gros. De la mozzarella. Moi, j'adore ça avec de la tomate. Je trouve ça trop, trop bon et trop frais. Donc voilà, de la mozzarella. Et vous avez vu, c'est un gros pack du coup. Il y a 4 fois 125 grammes dedans. Voilà, c'est pour vous donner une idée en fait de la grosseur en fait des produits. Du packaging. Oui. Voilà. Mais franchement, c'est bon, ça va se manger très très vite. Hein. On mange beaucoup beaucoup de salade à la maison. Et les enfants aussi adorent ça. Combien chérie cela? La mozzarella, je te dis ça tout de suite. Il faut que je trouve ça. De mémoire, je crois que c'est pas très cher, c'est 3,99 je crois. Oui. Bah écoute, c'est ça, c'est 3,99. Bah, c'est pour ça, parce que ça m'a surpris et du coup je dis, ah tiens, on prend ça, etc. Oui, c'est 3,99, c'est ça. Ouais. C'est pas grave, ça ira. Ensuite, j'ai pris des tortellini. Voilà. Donc cela, chérie, c'est ricotta épinard. Voilà, ricotta épinard, pareil, on est en dessous des 4 pentes de mémoire. Donc ça va. Non, c'est pas plus cher, on va dire, qu'une autre grande surface. Les 4 pentes, les deux, hein, bien sûr. Oui.
Puis, nous avons pris, alors je vous montre, alors ça, ça reste exceptionnel, c'est, on a voulu tester pour les enfants plutôt que leur donner des bonbons, parce que bien sûr, ce sont des enfants, donc on ne les prive pas non plus de sucreries, mais ceux-là, ce sont des bonbons bio, donc on a dit, tiens, on va tester. Donc on va leur donner, dedans c'est des petits paquets et il y a, vous savez c'est des bonbons un peu mous. À la gelée. Voilà c'est ça. Et en fait vous avez de la fraise, à l'orange, au raisin, à la pomme, à la framboise et à la cerise. Voilà, donc on va leur donner ça de temps en temps plutôt que de leur donner des bonbons super sucrés où il y a plein de cochonneries dedans, on le sait tous, hein, même si c'est bon, mais bon. Et là, la box, c'était 13 pendes. Ouais, ça va. Donc, c'est vrai que bon, c'est un peu plus onéreux, mais ça c'est normal. C'est un peu plus cher, mais par contre, il y a 72 paquets de bonbons dedans, et au moins, vous pouvez limiter. Et ça, c'est bien, vous en donnez un, vous dites, voilà, tiens, tu as droit à un paquet de bonbons, et voilà, comme ça, ils ne vous embêtent plus, ils ont eu leur paquet de bonbons, ils sont contents. Donc voilà, j'ai pris ça. Alors, pour rire aussi, parce que Sébastien, il a insisté, il trouvait ça trop drôle. Clément aussi a insisté. On a pris ce sachet de chamallows, voilà. Et ils disent que c'est une tradition américaine. Vous voyez, les chamallows sont super gros à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Peut-être que si je vous... D'ailleurs, ils sont fabriqués aux États-Unis. Exactement, ceux-là, ce sont vraiment les vrais chamallows des États-Unis. Ceux que vous grillez au barbecue avec la... votre petit bâton là. On voit le dessin dessus d'ailleurs. Et c'est super bon, on le sait, même si c'est pas que ça fait un peu grossir et que c'est un peu sucré, mais c'est pas grave. Alors, donc on va certainement s'amuser à faire ça d'ici là, je pense. Lors du premier barbecue. S'ils sont pas mangés avant. Oui, c'est ça. C'est ça. Ensuite, alors je vous montre. Nous avons pris des petits pains comme ça. C'est des petits pains au lait et la pépite de chocolat. Voilà. Donc c'était pas cher et j'ai dit à Sébastien, tiens, on va prendre ça, il y en a 12 dedans. Et là je le vois avec des œufs fermiers et sans huile de palme. Exactement, c'est pour ça, je me suis dit tiens c'est pas mal. Et c'est fabriqué en France. Oui, voilà, on voit bien le drapeau français. Ouais, c'est même écrit en français dessus, il y a une partie qui est écrite en français. Donc c'est super, voilà. Donc ça, ça va servir pour le goûter. Ensuite, le pain. Merci. Alors... Vous voyez, hein, c'est d'habitude, moi, quand je fais mes courses par semaine, je prends deux paquets comme ça. Et là, bah, j'ai pris le double parce que c'était vendu comme ça. Alors, il y a 4 paquets. C'est des petits pains. Voilà. Qui, ils sont un peu plus longs. Oui, ils sont un peu plus longs que vous mettez au four, en fait. Et c'est cuit en moins de 10 minutes. Ça ressemble au pain français. Voilà. Et là, c'est écrit petit pain. Et ça a été fabriqué en France. Voilà. Donc ça, c'est pareil. C'est super pratique si vous voulez pas faire de gâchis de pain. Je sais que souvent on fait un peu de gâchis, on finit pas la baguette et après c'est dur, donc bon, on va jeter. Là franchement on sort juste ce qu'on a besoin, on met au four et au moins on fait pas de gâchis. Puis alors des pains, ça c'est mon petit péché mignon, j'adore ces brioches et elles ont vraiment un super goût. Alors voilà, vous voyez c'est aussi pareil hein, c'est pacté dans des gros sachets, mais c'est super bon. Et en général, qu'est-ce qu'on fait, nous? Ben, on met au congélateur. Voilà, c'est ça. Et on les sort au fur et à mesure où on a envie. Vous savez, des fois, vous mettez au micro-ondes en mode décongélation. Et en 30 secondes, même pas, c'est fait. C'est décongelé. Donc, c'est super, soit le matin ou à 4 heures. Voilà. Non, c'est très bien. Donc, ça, pareil, ça ira au congélateur. Puis, alors, un beurre. Voilà, ça, c'est mon mari qui a choisi celui-ci. Alors, pourquoi? C'était du beurre français, donc je l'ai pris. Donc c'est du beurre désigné, donc c'est du beurre d'origine protégée, ouais, une AOP. Ça. Mmh. Et donc ça vient du Calvados. Donc c'est avec le beurre président, c'est un des seuls beurres français qu'on trouve en Angleterre. Oui, donc on le trouve chez Sainsbury et chez Tesco. Mmh. Mais généralement, moi je prends président, mais là j'ai vu celui-ci, donc j'ai pris celui-ci. Voilà, bah, ça va changer. Et il était moins cher d'ailleurs, parce que généralement on achète la plaquette de beurre de 250 grammes à 2 pendes, et là on était aux alentours des 3 pendes 50, les 500 grammes. Donc vous voyez, c'était moins cher. C'est clair. Puis, je vous montre. Alors, ça, on ne sait pas comment c'est atterri dans notre caddie. On s'est rendu compte de ça quand on est arrivé. Enfin, on s'est rendu compte quand on est arrivé à la maison. Alors, ça, c'est des pruneaux secs en fait. C'est ça, hein, chérie. Hein. Oui. C'est des pruneaux secs. Donc, moi, j'adore ça. Et en fait, je me rappelle. Dans le magasin, avoir regardé et avoir montré à Sébastien, mais je ne me rappelle pas l'avoir mis dans le caddie. Et bizarrement, c'est arrivé dans notre caddie et on l'a payé. Bon, on ne s'est pas rendu compte, hein, mais ça va être super bon parce que moi, j'aime ça. C'est pas un problème. Hein.
Mais je pense que c'était relativement cher. Et c'était relativement cher, non? Mais moi j'ai du mal ce soir. Je crois que c'est aux alentours de 8 pounds. Alors je vais regarder. Peut-être un peu plus même. Mais bon, vous avez combien de temps? Ah, 8,69, t'as raison. Tu vois, je me rappelle de mémoire. Pardon. Alors, si vous avez 1,59 kg dedans. Voilà, 1,59 kg de pruneaux secs. Voilà. Comme ça, moi, je vais faire un bon phare breton. Oui, ça, je compte sur toi. J'en suis sûre. Ou même comme ça. Alors, voici ce qu'on a pris pour goûter. Donc, c'est de la sparkling juice, sparkling water avec des fruits dedans, je pense. Donc, c'est bio. Voilà, je vous montre. C'est en fait de l'eau gazeuse, mais aromatisée. Alors, ils disent que c'est organique, donc bio, qu'il n'y a pas de sucre ajouté, qu'il n'y a pas d'alcool et qu'il n'y a pas de gluten. Voilà, donc c'est celle-ci, c'est cette marque, c'est Paul Brassac, qui fait ça. Pomme et pêche. Voilà, donc c'est cool. Très bien. Mais la semaine dernière, on avait pris l'Eder Flower. Là, c'était très bon avec super la bon. Framboise. C'était très très bon. Moi, j'ai adoré, j'en reprendrai, c'est clair, quand j'irai chez Tesco. Ensuite, nous avons pris ceci. C'est surgelé, ce sont des vapeurs chinoises. Alors, on n'a pas l'occasion d'aller beaucoup au restaurant chinois parce qu'à côté de chez nous, sincèrement, il y en avait un qui était ouvert et qui est fermé maintenant. Bon, voilà. Donc, du coup, on se fait plaisir. On achète surgelé et on les fait à la vapeur, en fait. Et ça marche aussi bien et c'est aussi bon. Oui, on est sûr. C'est de la fraîcheur. Oui. Même si c'est pas un produit de, on va dire, de grande qualité, oui. Parce que c'est des produits congelés, mais au moins on est sûr que c'est, ça n'a pas, on va dire, traîné dans un frigo. Exactement. On a pris également de l'huile. Voilà, deux packs, vous avez vu, hein, pas un seul, mais deux. Hein, parce que c'était. Ça et deux litres comme en plus, ça. Donc 4 litres. Voilà, au moins on est tranquille pendant plusieurs mois, là, je pense. Au moins 2-3 mois même. Peut-être même plus. Puis, alors, ça, c'est de la sweet chili sauce, c'est de la sauce chili, un peu sucrée. Ça, généralement, on le mange avec les vapeurs. On n'avait plus de sauce comme ça à la maison. Et comme ça se vendait par deux, on les a pris par deux, du coup. C'est pas bien grave. Et puis, ça va nous servir justement pour manger avec les vapeurs. Mais je pense qu'on en a là pour... Un an. Ouais, un an à peu près. Parce qu'on n'en mange pas tout le temps. Donc là, on était à 4, un peu moins de 4 pounds les deux bouteilles. Donc, c'était pas cher. Puis nous avons pris des petites tablettes pour le lave-vaisselle. On a pris du finish et là par contre c'était une bonne affaire. C'était combien chérie? 12 pounds, 13 pounds. Voilà, moi je trouve que c'est pas cher. Il y a quand même deux paquets et dans un paquet vous avez 80 tablettes. Donc c'est pour vous dire que vous pouvez faire des bonnes affaires dans des magasins comme ça qui vendent en gros. Ça franchement c'est pas un problème, c'est la lessive, ça peut se conserver très longtemps, ça périme pas quoi. Donc, et je vois en plus qu'ils nous ont enlevé deux pendes à la fin. Oui. Donc on va en déduction, donc ça revient à même 11 pendes les deux sachets. Donc, bon, bah, c'est voilà. Vraiment pas cher. C'est clair. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris? Tiens chérie, j'ai oublié ça. Ah pardon, le pain de mie. Le pain de mie. Voilà, j'en ai pris deux comme ça. Ça, souvent, c'est pour la lunchbox de Kellyanne. On prend souvent cette marque parce qu'on trouve que c'est la mieux au niveau du goût. Et c'est du pain très... il est soft, en fait, très, très souple. Donc voilà, ça, c'est pour Kellyanne, en général. Et puis nous aussi, le matin, on peut faire des tartines, c'est pas un problème. J'ai pris également un vanish comme ça. Et celui-ci était à combien, chérie? Deux pentes... C'est chose. Pour enlever les taches, vous savez, sur les vêtements des fois. Alors, 4,99 pounds, mais il y avait une réduction de 1,20 pounds. Donc oui, on est aux alentours des 3 pounds. Aux alentours des 3 pounds, voilà. Moi, je trouve que c'est pas cher. Il y a 950 millilitres, pardon. Voilà, pour le vanish. Et pour terminer, je crois, on a pris également ceci. C'est des lingettes Huggies. Et là, par contre, je pense que c'était vraiment pas cher. 4,79. Les 10. Voilà, les 10. Donc ça fait 47 centimes le paquet. Généralement, voilà. Vous payez ça. J'ai sauté dessus tout de suite. Un pan et un pan de 20 l'unité. Exactement. Donc j'en ai 10 fois 72 petites lingettes. Il y a 99% d'eau et il n'y a pas de parfum. Donc c'est parfait. Avant, je prenais en fait les Pampers. Mais cette semaine, j'ai testé les Huggies et je trouve qu'elles sont aussi bien. Et je trouve qu'elles sont moins chimiques. Voilà, donc voilà, franchement, 4 pounds les 10 paquets de lingettes,
Ça valait le coup, je pouvais pas passer à côté. Donc j'ai pris ça. Et un autre truc pour vous faire rire, vas-y, va chercher, chérie, il est dans le couloir. Ah oui. Je vais vous montrer ce qu'on a pris aussi. Et ça, c'est le summum, en fait, on va dire. Donc ça valait le coup, je voulais vraiment vous le montrer. J'ai dit que je vous montrerai à la fin quand même. C'est trop drôle. Alors. Je vous montre. Voici ce que j'ai ramené de chez Costco. Est-ce que ça vaut pas le coup, franchement? Donc, c'est pas du papier de toilette. J'aurais pu, mais comme j'en avais encore, j'en ai pas pris. Mais par contre, c'est du sopalin. Voilà, j'ai 1, 2, 3, 4. 4 fois 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 20 rouleaux de sopalin. Je pense que je suis tranquille pendant un bon moment. Voilà. Donc ça, ça a coûté combien, chérie? Bah 12 pounds. 12 pounds, voilà. 99, pardon, non, 13 pounds. Bon, 13 pounds, mais 20. Donc voilà, donc j'en ai profité. Tu voulais dire quelque chose, chérie? Ben, je voulais juste dire qu'on n'a pas fait... on a fait le complément, parce que comme les gens qui nous suivent savent qu'on va faire régulièrement un petit tour en France pour faire notre approvisionnement de produits français. Donc là, c'était vraiment un complément. Surtout, voilà. On a été vraiment chez Costco, vraiment parce qu'on avait besoin de produits, on va dire, les tablettes, l'essuie-tout. Donc, on sait qu'en l'achetant en grand volume, on est quand même gagnant. Voilà. Et après, forcément... Là, c'est vraiment cette semaine un petit réassort. C'est ce qu'on fait depuis déjà à peu près un peu plus de 2 semaines. On fait quelques réassorts dans la semaine. C'est pas nos courses quotidiennes pour manger, évidemment, parce que sinon, il n'y aura rien à manger. Mais c'est juste histoire de... les petits trucs qui nous manquent, comme là j'avais plus de sopalin, bah, j'en ai profité. Et puis quand je vois des produits qui me plaisent, bah, je prends. Et puis des fois je conserve, des fois on en profite pour manger tout de suite. Et puis voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fini pour le retour de course. Chérie, tu viens bien, tu veux venir nous rejoindre? Ça te dérange pas? Non, je voulais juste rajouter que j'ai quand même été tenté par certains produits. Mais comme il nous restait du fromage, parce que j'ai quand même vu du reblochon au lait cru, j'ai quand même vu du Mondor. Et bon, je me suis dit, il faut quand même finir, vider le frigo avant d'en racheter. Exactement. Donc, ça sera pour un prochain retour de course. Eh ben, t'as eu raison, mon chéri. Parce que moi aussi, j'ai failli craquer. Hein. Mais j'ai dit non, je mange ce que j'ai d'abord à la maison. Ouais. Donc, voilà. Eh bien, voilà, le retour de course touche à sa fin. On espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, le liker et vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Surtout, restez connectés parce que juste après, vous avez le menu de la semaine. Dans tous les cas, nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau retour de course anglaise. Ciao! Ciao!